L'on peut tout avoir dans la boutique d'Aziz, sauf du sucre. Une denrée devenue rare dans les marchés et supermarchés d'Abidjan. 4 mois comme ça, ou bien presque arrivé 5 mois, on ne voit pas ce que c'est de la marché. Chaque semaine, on passe la commande, le grossiste qui est dans le marché, je ne trouve pas ça. Cette pénurie de sucre impacte considérablement les petits commerces. En plus du manque, il y a aussi l'augmentation du prix de la denrée. Ces vendeuses qui exercent en plein cœur de la commune de Trècheville vendent quasiment à perte. Pour avoir sucre même pour griller mon mila, c'est un problème pour nous. On est obligé d'aller payer 1 kg de sucre à 1300 avant de vendre. Sans ça, on ne peut pas vendre. Donc on est obligé de payer ça comme ça, sinon ça ne nous arrange même pas même. Déjà, il n'y a pas de sucre. Dès un mois, on n'a pas de sucre. 1300 le kilo. En vendant, quand je faisais en fait barre là, je remplis. Maintenant, il n'y a pas de client, plus le sucre a augmenté. La pénurie de sucre à Abidjan est due à la rétention de stock de certains distributeurs. Selon un communiqué de la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire, la société qui commercialise le produit. En attendant que ce problème soit résolu, les consommateurs, eux, continuent de subir ce désagrément.